Salut à tous, salut. Bonjour. La tristesse n'est pas du fait de ma vie, c'est du fait de la petite fille qui a été violée et puis elle est décédée. Tout à l'heure, je viens de voir Trump veut instituer de la prochaine rentrée ici aux États-Unis. Il veut instaurer l'étude de la Bible à l'école, dans toutes les écoles aux États-Unis. Et il a raison. On dit non, il veut imposer sa religion. C'est juste une proposition qu'il a faite. Et puis il a raison. Parce que comment un être humain, moi je suis garçon, hein. Voilà. Avant même de connaître Dieu, nous, on peut voir une femme. Moi, c'est parce que Dieu m'a fait la grâce. Je n'ai pas voulu emprunter le chemin de coupé, décalé. J'habitais juste à côté de la rue Princesse. Voilà. Moi, j'habitais juste, pour ceux qui connaissent Abidjan, quand on dit rue Princesse, il n'y a pas un lieu plus abominable que cette rue-là. Voilà. Les filles sont presque nues. Et je ne connaissais pas Jésus. Mais je n'avais jamais opté pour cette vie-là. La vie de trouver une fille et puis coucher avec elle. J'étais trop conscient que je pouvais croiser une maladie. Je pouvais engrosser une femme. Oh, je suis orphelin. Donc, j'étais trop sage avant même Christ. Vous voyez? C'est pourquoi quand j'ai connu Christ, ça s'est aggravé positivement. Voilà. J'ai connu beaucoup de sœurs en Christ qui étaient prêtes pour que je couche avec elles, etc. Mais j'ai toujours refusé. Pourquoi? Parce que c'est ça. Mais comment? Je suis un garçon. Un garçon peut voir une femme et puis la désirer. Et puis, peut-être même pour ceux qui sont trop développés dans le sexe, ils peuvent bander en même temps. Excuse-moi pour le terme. Mais moi, je peux pas. Moi, c'est quand je me. Peut-être quand je me lève. Oh, mon frère! I love you! Yeah, thank you. Yeah, need nice car. Voilà, il dit là, ma voiture. Ouais, les gars, c'est Jésus qui fait ça. Hein. Voilà. Si tu peux faire quelque chose, il faut faire. Demain, on va partir là. Tout ça, on va laisser. Mais c'est important. Voilà. C'est important. Tu fais quelque chose, il faut faire. Voilà, tu as ton âge, tu mailles ton poulet, tu mailles ton poulet. On va pas t'amener en prison pour ça. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Bref, on laisse affaire des voitures, tout ça. Donc je disais que. Qu'est-ce que je disais même? Comment, je suis triste, comment quelqu'un. Je vais aller droit au but, hein. Comment quelqu'un peut regarder une fille de 3 ans? Moi, je pensais qu'elle avait 5 ans, mais 3 ans. Même 5 ans, même 10 ans, même. Une petite fille qui n'a pas 5. Bon, une fille de 3 ans, elle a quelle fesse? Ou bien elle a porté quel vêtement qui va attirer un être humain. Et tu vas la violer jusqu'à elle va mourir. Non, ce gars-là, vraiment, donne ta vie à Dieu. Hein. Je ne sais pas s'ils vont te mettre en prison, mais en tout cas, moi, c'est que si chaque personne est responsable de tes actes, si ils t'ont attrapé et t'ont mis en prison, tu n'as pas de problème. Tu vas purger ta peine. Puisqu'il n'y a pas peine de mort en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a peine de mort dans la loi ivoirienne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quel que soit ce qu'ils vont te donner, je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis d'accord qu'on te condamne. Voilà, combien que tu payes. Dieu peut te pardonner, hein, mais il faut payer ce que tu as fait sur la terre là d'abord. C'est important. Très important. Parce que nous sommes responsables de tout ce que nous faisons. Bref. Alors je disais que. Comment tu peux regarder. Si tu regardes cette vidéo, mon frère, il est mieux d'aller à l'église. Pardon. Parce que cette possession-là, elle est extrême. Même les blancs même qui font des conneries, mais. Ah! Mais je préfère PD. PD même les garçons, il est grand. Comment tu peux regarder une petite fille de 3 ans? Tu vas la courber, mais je ne sais pas dans quelle position tu l'as mise et tu la violes, tu la déchires et puis elle meurt. Non, je ne comprends pas, je ne sais pas. Je suis choqué. Non, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. La Côte d'Ivoire est devenue un pays. Waouh! Je suis choqué, hein? Même quand je mange, même je suis. On dirait comme si, on dirait c'était ma fille, mais on dirait, elle fait partie de ma famille. Quand je mange, nourriture ne descend pas. Je vous assure. Quand je mange, la nourriture ne descend pas. Waouh! Non, le gars là, il est allé loin. Pouah! Moi-même, hier même, je ne travaillais pas pour venir prêcher, mais je n'ai pas la force pour prêcher. Pour venir hier pour prêcher, je n'ai pas la force pour prêcher. Aujourd'hui même, j'ai fini à 15h. C'est à cause de ça. Sinon, je voulais même faire une vidéo sur YouTube pour interpeller tout. Sur ma chaîne YouTube, il y a au moins 3000 païens qui sont abonnés.
Il y a au moins 3000 païens qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube. J'allais faire une vidéo pour les sensibiliser. Comment ça? Frère, tu as déconné, mon frère. Tu es un garçon, je suis un garçon. Nous sommes tous garçons, mais tu as déconné. C'est quel démon qui a pris le monsieur là comme ça? Comment on peut bander devant une fille de 3 ans même? Moi, il me pose la question. Non, Satan a hanté la tête des gens jusqu'à... Même un animal ne peut pas faire ça. Un animal ne peut pas regarder un poussé, un coq, un vrai coq courant de jupon, dans le milieu des coqs là. Un coq courant de jupon ne peut pas regarder un poussé. Et puis couche avec poussé, même un animal pas fait ça. Donc je suis trop triste. Je sais pas, mais ça me fait trop mal quand j'ai vu ça. Quand ils m'ont montré la photo de la petite fille même, ça me fait trop mal. Quelqu'un qui porte couche encore, une fille qui porte couche encore. Waouh. Vraiment, si tu es dans ce direct là et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il faut donner ta vie à Jésus, hein. Parce que Satan peut t'amener à faire des choses inimaginables. Inimaginable. Si j'étais juge même, je ne sais pas comment j'allais te juger. Ben c'est... Ça dépasse mon entendement, quoi. Ah! Non. Waouh. Non, le frère, tu as déconné. Hein? Les gens tuent avec fusil. Toi, tu tues avec sexe. Ça, c'est... Tu es l'une des rares personnes des meurtriers au monde. Que Dieu te pardonne, je ne te juge pas, mais je dis, je ne suis pas content, je suis triste. Les gens tuent avec fusil. Toi, tu tues avec ton sexe. Ça, c'est extraordinaire. Non, mes frères et sœurs, donnons nos vies à Jésus. Hein. Je vous assure, donnons nos vies à Jésus. Tout cela, c'est prédication aussi. Donnons nos vies à Jésus. J'ai fait mon poste, il y a des gens qui sont venus commenter en bas. Non, tu es homme de Dieu, tu fais ça. Je suis homme de Dieu, il fait quoi? Il fait quoi? C'est pas Dieu lui-même qui a instauré la loi. Tu ne tueras pas. Mais ce n'est pas dans la Bible. Quand on est homme de Dieu, on ne doit pas parler au meurtrier. Même si tu viens dans mon église, que tu as tué quelqu'un, je vais te donner à la justice, ils vont te juger. Je ne peux pas aller voir le juge pour dire pardon, tiens, l'argent, il faut laisser mon. Jamais. Ils vont te juger sur la terre d'abord. Si tu fais tes 5 ans, tu vas le faire 5 ans et puis après, tu vas venir prier Jésus. Il ne faut pas vous aller distraire les gens. Et comment tu peux bander devant une fille de 3 ans? On pose la question, puis les gens viennent me parler en une bosse. Tu es homme de Dieu et puis tu veux juger le frère. Je veux juger qui? Je veux juger qui? Qu'est-ce que vous appelez juger même? Je ne sais pas les chrétiens même, je ne sais pas. Attends, papa, je vais être en retard. Il me reste 5 minutes. Qu'est-ce que vous appelez juger? Si moi, Dadje, là, je suis homme de Dieu, non, je suis évangéliste, non? Si tout de suite là, je quitte dans ma voiture et même voler la voiture de quelqu'un là, ils vont me mettre en prison. Même Donald Trump, même qui attend de défendre un dossier que j'aime bien, parce qu'il veut que l'étude biblique soit instaurée dans le programme des universités et des collèges ici aux États-Unis. Ça, c'est wonderful. J'aime trop ce président-là. Il a peut-être ses petits bobos, mais j'aime ce président-là. Il veut instaurer la Bible à l'école américaine. Et si les États-Unis ont adopté ça, vous allez voir les autres grands pays comme la France, les grands pays, ils vont vouloir penser à ça. Parce que le monde devient autre chose. Il faut qu'on enseigne la Bible aux gens. Il faut qu'on lise Exode 20. Tu ne tueras pas, tu ne jugeras, tu ne voleras pas. Il n'a même pas mis tu ne jugeras pas. Ceux qui disent que non, toi Herman, tu juges les gens, le jeune là, peut-être que c'est le démon qui l'a possédé. Qu'il soit délivré des démons qu'il a possédé là, qu'il soit délivré. Enfant de quelqu'un, il a tué là, c'est pas l'homme. Vous parlez des jeux. Une petite fille l'a courbée et puis il a violé jusqu'à elle est décédée là, c'est pas l'homme. Vous saviez ce qu'elle allait devenir dans ce monde? Peut-être que c'est une présidente qu'il a tué. Peut-être que c'est une directrice de société qu'il a tué. La dame a fait 9 mois cadeau. Alors, on parle des choses, on entend de dire aux gens, faut pas faire les mauvaises choses, c'est vous-même qui me jugez, parce que vous ne connaissez pas le fond de ma pensée. Je fais mon poste et puis les gens viennent m'écrire en une bosse, tu es homme de Dieu et puis tu veux juger les frères. Et que moi ici, je dis pour juger les frères. Je pose une question, comment il peut bander devant une petite fille de 3 ans? C'est moi qui dis ça? Vous aimez trop utiliser homme de Dieu, c'est vous qui m'avez baptisé? Ou bien c'est vous qui m'avez consacré? Alors, l'homme est triste, on entend de pleurer la petite fille, et puis c'est vous qui êtes là. Vous dites non, lui là, il juge, on dit c'est vous qui m'avez amené à l'église. Pour répondre à ma question, comment on peut bander devant une fille de 3 ans? Répondez à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Vous allez faire, il a commencé à faire beaucoup de vidéos sur le monsieur, le jeune qui a violé la fille là. Même si c'est une fille adulte, c'est vrai que c'est un péché. Moi, c'est pas moi. Je n'ai même pas branché. Les filles là aussi, là, souvent, les filles adultes là,
Souvent aussi, là, ça, c'est pas dedans. Mais une petite fille de 3 ans, elle connaît même pas ce qu'on appelle sexe. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je suis trop triste. Je suis trop désolé, quoi. J'ai dit au frère là qu'a donné sa vie à Jésus. Jésus est mieux, mon frère. Si tu donnes ta vie à Jésus là, tu vas même pas penser à femme même. Tout le monde peut bander, hein? Tout le monde peut avoir envie de faire sexe, amour. Même moi-même là, souvent j'ai envie de faire l'amour, malgré que je n'ai jamais fait. Souvent là, j'ai envie de voir comment ça est, mais je tiens fort, je tiens, je me retiens et j'attends mon épouse. Là, je vais faire ça légalement. Quelque chose de 3 minutes, tu vas partir faire prison maintenant pour combien d'années? L'amour réel, on dit l'amour là, sans aphrodisiaque, sans les conneries que les gens prennent pour durer au lit là. Sans ça là, c'est 5 minutes. Si c'est trop, c'est 5 minutes. Sans faire des techniques, comment ne pas, excusez-moi pour le thème, hein, comment ne pas jouir vite, les gens qui regardent les tutoriels, les gens qui boivent des aphrodisiaques pour traumatiser les nerfs là, pour ne pas jouir là. Là au moins, tu peux faire 5 ou 10 minutes. Ou 20 minutes. Sinon, vrai, là, amour, c'est-à-dire tu n'as rien bu. Et puis tu te couches une femme, là, on a fait SVT nous tous. C'est 3 ou 4 ou 5 minutes. C'est 5 minutes. Une femme, tu la touches, c'est 5 minutes, c'est fini. À quoi ça t'a allé faire prison? Tu as gâté ton truc, comment on appelle ça même? Casier judiciaire comme ça, frère. Donnons nos vies à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donnons nos vies à Jésus. Est-ce qu'un chrétien peut violer une fille de 3 ans, même une fille de 30 ans? On parle des choses, puis c'est vous qui êtes là, non? Tu viens juger le frère. Vous allez faire commencer à aligner vidéo sur le frère. Il y a sur YouTube, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est sur YouTube là qu'on me suit beaucoup. Et là-bas, il y a beaucoup de païens. Bon, moi, j'aimerais travailler. Au lieu de violer, j'aimerais travailler pour chercher mon argent. J'aimerais travailler, les amis. C'est dommage, hein? C'est trop dommage. Si je suis content, là, c'est que j'ai menti. Sois béni, ma fille Sandrine. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Ma fille Paloma, sois bénie depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu te protège là-bas avec la xénophobie. Là. Les Noirs aussi. Quand les Blancs me regardent, ça, ils sont découragés. Blancs même qui ont envoyé esclavage là, ils n'ont jamais. Même ce que vous faites en Afrique du Sud là. C'est tout cela, on dit donnons nos vies à Jésus là. Comment tu peux regarder quelqu'un puis le macheter, le brûler vif? Ça, c'est nous les Africains, on fait les trucs comme ça. Hein. Vraiment cette vie là, que Dieu me donne longue vie, mais en tout cas Dieu le gars me prend un jour. Il y a pas tout au ciel, c'est mieux. Parce que voici la terre là même là, ça me décourage trop. Même les blancs même qui sont forts dans les péchés même là, eux là ils sont dans l'effet des lesbiennes. C'est rare même de voir les choses comme ça. Une fille de 3 ans, ton sexe s'élève devant une fille de 3 ans. Comment tu peux m'expliquer ça? On parle ça, les gens viennent me dire non, homme de Dieu, tu es homme de Dieu, et puis tu juges les gens. Il a loupé. Il n'a pas encore jugé, c'est maintenant qu'on va commencer à juger même. Pour dire que les gens violent les gens, on entend des faits trous. C'est ma manière de pleurer la fille, elle pourrait être ma fille. Tu peux violer enfin les gens. Alors, on parle de ça, et puis c'est les gens qui sont là, non, c'est-à-dire, tu fais tant. Je ne suis pas content, hein. Les amis, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est toujours Herman, l'évangéliste Herman. Voilà. Donc je veux dire à ceux qui sont venus me dire que je juge le jeu, je ne le juge pas. Je pose une question, comment il a pu bander devant une fille de 3 ans? On n'a qu'à se dire la vérité. Il faut qu'il m'explique. Il a posé la question encore sur YouTube. Dès qu'il est fini la 15 heures, il a fait direct sur YouTube. How's it going? Good? Your break? Ah, ok. 10 minutes ou 30? 30? Ok. Comment il peut bander devant une petite fille? My friend, I want to ask you something. What? Comment il peut bander devant une petite fille? C'est comment il peut bander devant une petite fille? Une petite fille. Oh! I love you. I love you. I love you too. I like that one too. Sorry, I love yeah. It. Yeah. Wow. Your break too? Daddy? Okay. You see my paycheck? It's not good. It's missing 7 days. No pay. You see? 6. Or me is 9 almost 100. Wow. Yeah, and
She said she want to see that one and maybe fix her. Yeah. Ooh, you see? Dolly too. How are you, señorita? Good? Señorita or señora? Señora. Señora? Oh, why señora? Me, I want to marry you. See ya. Give your hands to yourself. Eh? Give your hands to yourself. Yeah, my paycheck. She says she wanted to see before. You see? No, the paycheck in the bottom way. Oh, in the bottom for the hours? You missing that one, right? No, she pay you 7 hours and 50. But why is... For the school. This is for the school. No, this is your hour that you work. This is for school. But why my paycheck is so small? I don't know. You need to talk to her.